Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme annoncé, nous accueillons ce matin sur le plateau Robinson Lovens, qui est réalisateur film Married Men, un film qui actuellement est en tournée et qui déjà connu un certain succès. Robinson, bonjour, merci parce qu'on a accepté là avec nous matin dans la métropole pour nous parler cinéma. Okay. Et avec évidemment un zoom sur le film ça qui fait sortir, qui c'est Married Men. Et bonjour, merci parce qu'on a accepté là avec nous matin. Et bonjour Endel, je salue tout auditeur et Téléradio Métropole. Son honneur pour là. Et je vous félicite tout pour show ça, parce que ces plateformes sont intéressantes pour nous-mêmes, jeunes haïtiens surtout, qui ont rêve, qui ont vision. Et je pense que nous allons parler d'un sujet qui est vraiment intéressant et qui est vraiment, comme je l'ai dit, et une question pour le domaine ça qui c'est cinéma peut-être pas mais c'est grand pile monde qui va l'intéresser dans des ça ne va pas aller là. Merci. Voilà, alors on dit rapidement où investir dans le domaine apparemment on va évoluer à l'étranger. Ouais. Côté que marché en gain plus avenir, marché en plus prometteur. On m'a parlé de là directement fait allusion à l'industrie cinématographique. Oui. Bon, en Haïti, je dis, est-ce que on est capable de parler de cinéma? Pour qu'on connaisse, c'est au que parle nous, avec Jean en tant que réalisateur et surtout avec l'expérience que vous faites. Je dis, qui ça, en peu de mots, ou capable dit pour inciter des jeunes d'un coup à investir temps yo, avec énergie yo et l'argent yo dans le cinéma. Bon, je pense que ça qui est important, ça qui est plus important, disons, c'est que lorsqu'on rêve, et nous-mêmes, surtout jeunes haïtiens, il est important pour nous-mêmes pour nous faire voir nos passés, ou bien talents, ou bien d'autres, bon Dieu, ou bien passion. Et, un exemple sur Married Men, l'un d'affaires Married Men, je pense que l'idée est importante. Je connais déjà, pas de cinéma dans le pays. Hein. Mais ça me fait investir dans nos films. Côté que me connais vraiment vrai va gagner cinéma etc à côté le pas passer comme qui dépenser à côté le pas rentrer mais me connais peut-être si me des fonds bagarre qui gon valeur qui gon standard vra me déca passer par les mêmes vra me déca passer par Married Men pour arriver côté pour arriver dans businessman qui dans pays dans l'état qui dans pays pour nécessité et on salle cinéma ou bien et cinéma en général gain ou bien gens nous comme si peuple société en besoin cinéma là et m't'aller en silence m't'aller travail et pour peut-être projet ça a parlé pour moi parce que toute jeune pour mal direct dans question toute jeune tout monde qui gagne passion pour faire cinéma réalisateur ou bien acteur il est important pour nous motiver à l'école et puis comme si pas quitter rien faire bac pousser avec talent nous gagne ou bien avec objectif nous ça nous envie faire. Depuis les positifs, depuis les bons, penser, les pour le faire, bruit pour le faire pour société ou bien pour l'État ou bien j'aime ça dire tout à l'heure, un businessman qui n'a pas rien, ou une nécessité, on sait le cinéma gagner dans le pays. Qui sont mon besoin pour devenir réalisateur? Quel type de formation ont besoin pour devenir un réalisateur cinématographique? Bon, premièrement, penser, premier sac plus important, c'est passion. Faut gagner parce que son bagage demande pile patience. Ok, parce que son bagage ou pas le dire avec un paquet de monde, yo chaque bagage différent. Ce lien important pour gagner passion dans ou avant après ça of course à l'école pour lui parce que penser toute son nèg t'a besoin faire ou bien faire faut quoi l'école pour lui sur le à l'école pour lui ou pas gagner minimum nan, côté que ou pas gagner structure ou pas gagner ça pour gagner hein? Et puis ou foncer ou avancer. C'était difficile pour vous? C'était vraiment difficile parce que l'homme t'est fini high school aux États-Unis mal l'école pour faire making l'école moi t'ai voulu hein? L'été dans zone m'était en pas de film school du tout et le mal là-dedans l'était vraiment difficile pour me déjà une chance pour m'entrer là-dedans mais j'aime ça dit à l'un avec détermination me gagner parce que c'est ça me dévelé et ceci me dévelé à l'école ça exactement me dérivé
et vinn rivé qualifié pour rentrer dans l'école, mais son bagage qui prend presque 4 ans et pour m'apprendre li, pour vinn maîtriser, pour vinn un réalisateur, pour vinn bon disons m'apprendre filmmaker. Filmmaking là c'est que qui gagne presque toute branche là-dedans, mais ça me t'ai besoin comme si kembe, comme si ça me t'ai besoin kembe dans toutes les branches, ça c'était réalisateur. Et est-ce que pas gain inquiétude pour secteur en général en termes de rentabilité ou encore possibilité pour récupérer mon argent qui investi dans réalisation de yon film quand nous connaissons aujourd'hui tout film censé disponible sur YouTube ou pas trop besoin à faire ligne encore pour garder un film. Bien que c'est pas même feeling, c'est pas même ambiance, oui. Mais jodi an la et gen moun ki a di bon même pa gen temps match dans cinéma m'a l'est disponible sur YouTube mawel et ça pas nous pas gen inquiétude par rapport à ça. Non, parce que ça parle dépend de catégorie film, niveau film, parce que gen des films ou ka fait ou pas une plateforme pour vendre, par exemple pour Netflix qui c'est on côté comme si m'ta dit actuellement là ou ka garder n'importe film, alors un film à standard qui sont plateforme on ka gagne, parce que on prend ça mzolan pile monde surtout à l'étranger gagne pour garder film, mais faut que film nan au niveau pour le qualifier pour la sur Netflix. So là sou font film comme si m'ta dit font film qui pas vraiment couteau cob, qui vraiment simple, comme actuellement là parce que tout film haïtien sur YouTube on moun ka tan li sur YouTube, mais on pose tant comme Married Man par exemple, pas que son film ka jamais available sur YouTube bon moun gadel. Oui, il peut aller vers les bourses ou en série de plateformes tant que Netflix, etc. On paquette l'autre encore, mais c'est payé ou pas le payer pour garder le quand même. Oui, inquiétude là, pile. C'est ça que fait l'un a fait projet ça à Married Man. Il était pour 5 ans, il était pour le temps pour me travailler pour le niveau côté que le film n'est pas disponible pour garder le CP ou pour le payer pour garder le pape sur YouTube. On nous focus maintenant sur film là. D'abord, son investissement de combien? Bon, il dépassait $500,000. Notre budget a commencé. Et $500,000. $500,000 pour nous démarrer projet. Parce que dans le niveau de la Married Man, premier ça me dépensé avec l'équipe, il faut que nous ayons comme ça pour film dans des standards pour le gagner. Parce que je vous dis tout à l'heure, je connais que nous sommes film haïtien d'avoir le fait. Et nous avons un pays qui est maman pays, il y a une salle cinéma là-dedans. So là m'te besoin garantie que gon côté peut-être nou ka fè comme là que ces plateformes m'a parlé là, yo faut que film nan gon qualification qualité son etc. côté que yo ka accepté nos plateformes haïtien ka Japon ka au Brésil li ka n'importe pays li monté le taper et regarder un film haïtien qui pral une grande première pour haïtien dans sens ça. So là c'était objectif là, c'est ça qui fait nous te démarrer à budget ça. On façon tout noté vinn gon garanti niveau film nan ap ka rentrer koblan même si c'est pas ta nan pays a. Pour faire pour un film comme ça pour réunir tout comme ça, qui côté koblan sorti? Non té pas un film parce que cinéma haïtien té t'ap dormi, même ma men dit té mouri. Cinéma t'ap dormi là pour nté faire et pour nté jeune comme ça, m'ap même penser avec sponsor parce que m'ap gon sponsor qui t'ap intéressé. So nous avons des investisseurs qui rentrent, qui essaient de comprendre et rêvent de gagner, idem de gagner, et pour qui raison tout me devrait aller partir à niveau et budget ça. Et leur m'expliquer parce que quand y a si on suit technologie en censé overpower toute bagarre net. So sou ka utiliser technologie pour faire n'importe bagarre marché la passer sur là. Des gens mon ça qui censé comprendre qui c'est fond même d'où un peu là dedans. So nous t'ai venir rassembler comme la forme sur son projet pour nous 5 ans. Non mais on dit pas mon support, c'est famille qui d'abord sinon tout le monde avant que réfléchir à un sujet de oui. Film et puis on dit on pas checker l'argent et pour jeûner. Est-ce que c'est pas parce que c'est famille ou c'est parce que c'est famille d'abord? D'abord parce que un peu là dedans par exemple mon frère le me dit ça, il dit me pas la idée mais le pas well. Il pas well parce que elle dépense comme ça. Donc comme c'est au même donc la bâcher avant. C'est moi même. Mais là me pense que tu de l'infini,
Femme du outcome est extraordinaire, man, mon yo, vraiment. Est-ce que c'est première expérience ou est-ce que vous faites film déjà? Non, je fais film déjà, mais c'est premier film, je fais à niveau ça. Femme du son risque, l'été. Parce que marché, nous, en général, film haïtien, les gon limite. Gon l'argent pour le mettre d'elle, faut make sure que la rentre et pas niveau comme ça. Okay, pas niveau comme ça. La gain possibilité pour cob la rentrer. Gain parce que j'aime Zoulan le poser à table démarrer. Objectif là c'était même si dans 10 ans dans 15 ans avec plateforme qui est vers le bon sur internet yo que me pral garantir cob ça rentrer parce que une série de films indiens ou fait, une série de black independent films, on va regarder sur Netflix, sur Amazon, Hulu, Vudu, une série de plateformes que au cas où c'est la carrière on vend aussi. Soit même ça avec idée, ça avec idéologie, ça me donne cita pour me faire mérite. Mais au cas où c'est la carrière ou pas fin pour monter sur internet là ou download un film pour 24 heures de temps ou garder le pour $4 $4.99. Des fois commencer garder ou pas même garder. Même même son nèg qui garder des fois qui achète un petit film Afghanistan yo on série de l'autre pays juste pour me passer temps et des fois me pas même fin garder yo. Je me devine mettre mind moi dans catégorie ça me dit si me font film qui gont titre commercial qui gont histoire qui commercial qui comme si n'importe pays n'importe nation ca relate to it comme si ou ca married men from zo mariage existait dans le monde entier et puis mon n'a dit bon li pas obligé haïtien mon n'a dit bon regarder film ça automatiquement coble en fait pour ça me dit là OK mais on va faire un petit peu sur sujet là married men et qui ça le met en évidence? Histoire là, li mette mariage coupe yo. Et problème qui a privé dans everyday life yo, comme si ça a pas duré, comme si. Et en dedans married men, son histoire qui gagne trois histoires en dedans. C'est ça qui est intéressant, c'est une bagarre tout qui était plus difficile de me débattre sujet avec monde qui écrit script là. C'est que son grande histoire qui gagne trois histoires en dedans qui expliquait trois couples qui gagne trois différents problèmes en dedans yo, mais qui normalement basé sur mariage. C'est trois couples qui mariés. Disons quatre couples, mais c'est trois couples comme Zemdadzou. Dans trois ou quatre couples, ça a combien qui explosé? Presque tout explosé, différemment, et vous allez récupérer. Parce que ça qui est important, et vous n'avez pas été inspiré Married Men, je pense que surtout génération Bamna, et en pile dans nous, nous prenons. Nous pensons que les mariages sont belles fêtes, sont belles cérémonies, côté que tout le monde a dit congratulations, bah ça, ou fier de vous, etc. Et parce que moi, en pile mariage, côté que pour n'importe si bagarre, mariage, c'est écrasé. Même si je suis chrétien, je fais l'église, bah c'est long, mon marié ou pas marié à mon, ou pas prendre engagement à mon, ou prendre engagement devant bon Dieu. So, tout ça, yo passe dans married men, comme si vous avez des couples, cap gourmet qui fait que engagement par yo, c'est pas mon nom. Vous prenez quelque chose à sacrifier, après t'es souffri, mais gen ça tourne pas si bagaille yo. Est-ce que bon leçon ou bien bon message que t'es souhaité faire passer à travers film ça? Ouais. Si oui, qui est-ce que le concerné? Est-ce que à qui est ce film destiné? Est-ce que le destiné à monde qui pral marié, monde qui pas qu'on fait ça du tout, ou bien monde qui déjà marié qui vivent bien, qui pas dans les tomber dans une série de problèmes, ouais. Ou bien monde tout qui a un mariage qui sur la voie de l'éclatement. Par exemple, que vous avez un divorce là et, à l'horizon. Il a adressé là tous les trois, ça dit là. Yo. Parce que ça me dit là, c'est une grande histoire qui a trois histoires en dedans. Ça veut dire qu'il y a une similarité qui existait dans presque tous les trois, ça mentionné là. Li surtout important pour les gens qui peuvent marier, on a dit. Et même l'on marié tout l'on garde married men ou carré tête ou la donne. Peut-être ou ka pou kou e fin que nous montrer dans le film. Ou ka peut-être ap vivre moment sans pral oué, sauf que dans le film ou pral oué fin. Et puis tout même pour moun ki marié kap vivre bien ou tout, parce que ça ka aide ou prudent plus. Parce que des fois ka marié avec ou moun, pour un petit problème tout petit ou ap réfléchi, faut quitter. Et puis dans le film non pral oué sous quitter, ça ka vini vou. So gens ont toujours dit et pas jeter je dis ancien pour je dis neuf genre expression dit un proverbe dit so parce que oui il est important surtout pour monde qui veut marier et pour monde qui marié et pour même monde qui marié qui vivent bien ou bien qui ont problème dans mariage.
On parle de accueil là, qu'on est là, pas pour mentir. Aux États-Unis, comment ça y est? Qui sont accueillis? Ah, ça fait me dire ça, c'est parce que tout le monde a toujours dit, bah, il était chargé net, regardez, il me fait ça le con, ben, puis le monde. Ah, sauf que l'émission, ça, c'est le prêt. Mm-hmm. Ben, c'est sur l'émission, puis le monde a regardé, au monde vient leur faire un ticket, mais le monde va regarder à la ticket. Monsieur, vous voulez le gars, vous mentir. C'est pas sérieux. C'est pas yeah. sérieux. Mais so far, man, I'm impressed. C'est que je ne vais pas attendre à tout ça. Si je attendre à tout ça, peut-être que je vais gagner 1 million de dollars, je vais faire film non, tellement comme si moi haïtien, supporter pour ça. Sauf so far, je ne vais pas me dire, mais le grand public a les films de Sold Out Movie. C'est que son film, tout côté, nous passé. Il y a un bagage qui était plus étonné, je me suis dit, 20 mars, ce qui s'est passé là, dans Toronto. Nous avons fait un grand fête Montréal, et puis dans notre zone, Toronto, pour haïtien alors, qui n'a pas pile haïtien là. Qui pour vous j'aime gagner qui fait là qui fait mon du tout au niveau nous dérivé nous même envie qu'en so et showing nek ta pas fait tout en tout mais femme zomen image sur internet là sur page married maintenant surtout c'était extraordinaire maintenant sold out mon yo sorti yo habillé mon yo content mon yo sur internet là yo fait des commentaires sauf so pas gagne plein du tout chapeau bas pour haïtien mon yo vienne faire projet à tant que c'est projet pas yo. Mon yo utiliser Married Men pour yo ta même montrer et forme zo à cause de Married Men tout parce que l'état payen a fait pile considération et gen des calls men joine comme si pour yo ouais vraiment là parce que imagine nous l'opre Caribé nous font grande sortie déjà on fait grande première nous en Haïti comment ça t'est sold out nous t'est en t'est full nous t'est gen monde qui t'est campé derrière pile monde campé derrière et ceci en pile monde retourner là caillou projet possibilité ou en fait ou gain même espoir pour respirer hein? Sauf so on nous fait déjà nous t'ai fait presque 6000 monde kafou dans sœur salésienne et qui c'était une plus belle expérience pour moi comme tu vois quantité monde ça aussi ta a applaudi en film et nous fait li au cap de Pergo naïve presque dans toute zone nord net c'était sold out for liberté monde était dehors et nous retourner back en Haïti là encore nous t'ai fait Royal Oasis là-bas so far so good ben nous pas rappeler tout côté mon yo sorti venir supporter Married Men moi ouais que gagne pile tête d'affiche dans film ça des noms que très connu est-ce que son stratégie ça y est par exemple ou utiliser des acteurs comme acteurs des monde qui déjà grand nom qui déjà connu moi pile musicien pile vedette de la musique comme acteur. D'abord, pour qui ça choisit ça? Deuxièmement, est-ce que le pas difficile? Troisièmement, dans 2 000 000 ça, est-ce que c'était pour être capable de payer mon ça? L'idée est vraiment difficile parce que et casse moi choisir surtout et artistes qui n'ont mérite mais ils sont série de mon pas jamais ou presque pas jamais à part de Princess Edmund quoi qui joue film déjà, c'est pas mon qui joue film du tout. Mais idéal, même si tu as un film fait pour Géa, tu as un film fait Married Men, comme si un film qui a un niveau, qualité, image, etc., location. Même début, je fais l'autre approche tout avec cast, un monde qui va l'attirer, mon jeune tien, stratégie, ça, mais pas seulement stratégie, même tu veux tout, tu veux comme si tu as montré l'autre side dans l'artiste haïtien, surtout. Parce que, là, on regarde les Américains, et un pile dans grand acteur, et négocier ces chanteurs et tous ces musiciens etc même pour africains on pile là monsieur ça là on a entertainment monde ça va limiter mais le après on est dans coup Jude Jam qui fait 25 ans l'a chanté tout le monde qui connaît Jude ou est Jude comme un chanteur that's it mais Jude son grand acteur et l'homme t'a fait recherche de négio comme si pour me connaître qui est et il dit passion Jude Jam c'est cinéma son équipe qui a acheté là non journée regarder 5-6 films. Mm-hmm. So on t'ai fait approche ça et pour monde qui ouais Married Men comme commencé grand pile haïtien qui ouais film là c'est une critique nous pas rien question que on parle du Richie jouer but il pas du rien ouais Jude Jean jouer il pas du rien et ça me fait dans Married Men il pas jouer en tant que musicien c'est pour musicien on va regarder sous pas de connaître Jude son musicien on regarde un personnage qui a joué un rôle qui pas grand rapport avec artiste même société so, oui pour nous te jouons attention en plus, oui tout, pour me montrer que nous-mêmes en tant que Haïtiens, nous avons un peu de talent. Nous ne sommes pas obligés de faire un grand bagage
ça yo konnen nou la dan lan, c'est seul li même nou ka fè. Mm-hmm. Et content pour me prouver haïtien parce que nou gen Flev qui sont chanteurs moun yo vraiment félicité monsieur. Même gen moun ki di monsieur li pi bon nan ak ke musique toujours just pour montrer nan ki niveau talent nèg yo. C'était ça et puis oui pour question l'argent. Le map fait Married Men presque tout artiste ça yo. Té dans studio avec Diazio. Le m'tap fait Married Men, c'était le album fait la toute cœur classe, fin sorti son album qui était grand pile de monde. Et Princess Ud était dans studio, Cadence était dans studio, Gabel était dans studio. So, c'est que le pour me réunir tout le monde ça et puis nous avons l'autre acteur tout qui pas vivre parce que c'est États-Unis nous basé production et nous avons l'autre acteur qui pas on main acteur qui pas États-Unis c'est Montréal. So, imagine le pour nous faire même logistique là pour rentrer tout le monde ça ou l'agence a mandé et ceci sont série de professionnels qui fait non yo déjà m'a avancé me quand écrit le me dit s'il vous plaît est-ce qu'on ca joue un petit parti dans film ça pour moi c'est que c'est contrat signé c'est son série de monde qui habitué à l'argent qui gagne grand budget tout me pense oui budget a frappé en pile là budget a frappé mais budget a été intéressé c'était pour location yo pour monde qui veut film déjà au cadre son film regarder son série de professionnels moun yo yé en film là personnage yo yé et make sure que leur regarder film là ouais gens yo été gens yo habillé gens y a vivre là disons ouais son série de professionnels yo me pense tout ça yo te gen pour à budget j'aime me lancer une raison là me gen idée me gen histoire là premier bagage qui était intéressé me c'est joindre l'argent pour réaliser film dans j'aime imaginer là et c'est ça nous c'est ça le baou ouais. Donc qualité image produit en il pas laisser à désirer est-ce que le simple spectateur parce que gen des bagages que toujours reprocher nous dit en pile film haïtien yo konn ba problème comme si pou pa rete sou l'op gade le wèk son film haïtien bon ba vle di konn sa mais en fait c'est ça comme si ou déjà wèk li manke yo konn manke yo manke fini yo manke fini ou senti que gen ti problème la dedans est-ce que la différence est là dans film moi yo nan bagay ki fè m plaisir c'est parce que tout moun yo di parce c'est ça on dit il pas semble avec film haïtien c'est plus gros et brick de Married Men haïtien réussi font film alors m'a répété après tout monde yo haïtien réussi font film ça va ressembler avec film haïtien ou bien film ça son film international moi même jeune monde qui dit pour qui ça nous les films haïtien son façon pour expliquer aux différences qui gagne parce que gagne un peu gros bel film haïtien tout me sonne qui fanatique film haïtien un peu parce que gagne option non alors on dit que bon comme beaucoup Married Men que m'va le bientôt oui, même quoi que grand pile effort qui fait dans domaine là déjà grand pile film de qualité qui que haïtien ont produit oui, jusque là sauf que me penser Married Men différence qui existait et dans projet ça c'est que peut-être l'autre grand production haïtien qui fait yo équipe là peut-être te focus sur réalisation film là seulement yo négliger partie marketing là. C'est une raison mais même dès qu'on aime d'appeler dépenser comme sérieux pour me faire film de qualité extraordinaire parce que son film qui shooté foqué so moi make sure que nous investi dans promotion pour mon Noël parce que c'est une raison que fait en plus de haïtien yo en plus de haïtien yo participer dans film là est-ce qu'on ka di nous qui place Haïti gagné en termes d'image la dernière d'image qu'on capable vendre pour faire promotion haïtien Haïti alors ouais c'est merci pour question ça parce que m'te vle Married Men identifier en tant qu'un film haïtien so nous shooté en partie en Haïti côté là regarder film en carrément en partie on joint chat nous prend sous pays qui vraiment belle côté que les marqués pour prestadon a dit que tout ouais ça en Haïti parce que on petit partie nous qui sont retiré là-dedans et l'op ap survolé Port-au-Prince qui sont retiré dans sens tant que donc retiré écoutez m'a parlé de capitale là qu'on survolé et vous connaît que toute bagaille pas rose toute bagaille pas belle dans pays bon c'est ça fait prendre l'air
OK. Ah, c'est pour pas atterrir. Nous prenons l'air. Pour pas atterrir. Qui vraiment vend une belle vue d'Haïti. Son monde va regarder, son monde va haïtien ou elle va dire waouh, ça vraiment nice. OK. Comprendre so qui vraiment nice, moi c'est que m'étais voulu mettre Haïti tout petit dans histoire là ou bien dans parce que j'aime sur lance son film nous gain projet qui déjà planifié pour l'aller sur Netflix qui pour aller faire le beau pour n'importe côté dans pays hein, pour garder. Je me développe quand même une signature Haïti en image là-dedans côté nous faire qui vraiment nice. Nous gain on parti sénateur à jouer c'est en Haïti parti ça shooter. Parler de sénateur Gracia Delva. Oui. Yeah. Et OK. Maintenant n'a fini dit on pas quoi film regarder film faire tout le pays hein. Non, nous beaucoup, nous travaillons sur lui. Et si yon moun intéressé, comment on va dire ça? Si moun intéressé, fait film nan, vin jouer nan province côté lien. Qui ça pour le faire? Li facile, nous avons un website qui c'est www.marriedmenthemovie.com. Et nous avons une page sur social media tout qui c'est marriedmenthemovie.com. Par exemple, Facebook, ou aller pour marquer marriedmenthemovie.com, ou aller sur Instagram, même bagarre, presque tout bagarre. Ou bien, si vous voulez faire contact direct avec moi, c'est Robinson Wabi Lovens. Et sur Instagram, c'est Rabbi Rab Director Clechat. Ou ap jeune. Merci beaucoup, Robinson Lovens. C'est un plaisir pour me te gagner au matin. Hein. Merci. Et puis, bonne chance. Pas un autre film dans la cuisine. Bon, ben, c'est oui, m'engager, surtout, et passionné. Je pense que Haïtien déjà engagé pour supporter Married Men. Et oui, nous pas le travail et garantie, mais Married Men fait avec un paquet de monde qui connaît déjà. Je pense que l'exposé, je pense que je vais en pile jeune. Qui a un talent, peut-être qui pas un exposé pour un jeune, un exposé. Donc, il va avoir une chance, il va avoir une possibilité. Mais Married Men te prend 5 ans. Married Men te prend 5 ans parce que l'argent. M'a tout dit ça là bien moi mes questions ça l'argent c'est ton argent m'a fouillé même penser là mérite bien prouver que tout grand investisseur moun k'ap gade ou ka investi dans cinéma comme l'on va perdre m'a penser next projet a pas obligé prendre tout comme ça pour chercher l'argent m'a penser là l'argent ta doit venir jeune non automatiquement automatique. Merci encore une fois Robinson Lovens et puis bonne chance. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Robinson Lovens, Married Men, à tout de suite. Le Point.